Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris la caméra et que je n'ai pas vlogué. Alors bienvenue dans un nouvel épisode de vlog. Marla est en train de faire l'idiot avec son coussin comme d'habitude et ça, on ne change rien finalement à ce qui se passe à la maison. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis content de retrouver cette caméra, de vous retrouver aussi. J'avais envie d'un vlog un petit peu différent. Très cosy, très cocooning. Finalement, c'est pas si différent, donc bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez bien. C'est le week-end au moment où je commence cette introduction et je suis tellement content. Je viens d'enchaîner 5 jours de travail et là, je me dis que ça y est, il est 16h30 au moment où j'enregistre cette vidéo. J'ai eu le temps de mettre le plein de l'essence dans la voiture et de sortir Bibi. Donc ça y est, je me suis changé brièvement. J'ai mis un petit pull que j'aime beaucoup, je le trouve très sympa. J'ai fait quelques achats en fait chez Bisby. Donc bref, je vais pas trop parler. J'ai envie de vous partager beaucoup de petits bonheurs simples en fait, de choses que j'apprécie. Donc ce sera un vlog peut-être à moitié silencieux, mais j'avais envie de partager vraiment des instants de bonheur. Vous savez, le genre de petites choses qui moi me font du bien, me relaxent. Des moments tout simples en fait de la vie, comme entendre le café couler, ouvrir un paquet de café, enfin des choses vraiment toutes bêtes mais que j'apprécie énormément. Et voilà, on va démarrer tranquillement. Je pense que tout à l'heure je vais faire un petit saut chez Action parce que j'ai dégoté une petite lampe juste magnifique, type industriel. Et en fait l'appartement est en train de changer dans un style vraiment industriel, donc bref, trêve de bavardage, c'est parti, let's go. C'est le week-end, chien, c'est le week-end, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Il est content. Et Marley, quand il est heureux, il prend son coussin. Thank you.
Je vous montre des petites baskets que j'ai achetées dernièrement. Marley, coucou. Des petites Puma, pas chères, franchement, à Chausséa, j'ai dû les payer 35 balles. Je les trouve trop mignonnes. Donc voilà, j'y suis content. Et vu que j'habille très rapidement mes chaussures, j'avais envie de petites baskets sympas. J'ai mis des petits colliers pour ce soir. Et là, on va partir chez Action. Marley est toujours cinglé. Je me suis pris un petit bonnet là-bas aussi. Et je le trouve super mignon, un petit Puma. Et j'en avais marre d'acheter des bonnets clairement pas chers chez Action en fait. J'ai dû payer 15 euros, mais alors celui-là, j'en suis trop fan avec le petit pompon. Je le trouve trop mignon. Donc voilà, petit look du soir parce que toute la journée, comme je travaillais, j'étais en uniforme. Donc je me sens bien, juste casual, cozy, comfy, comfortable. Et voilà, on est parti. J'ai posé tout mon Mac. Tout mon bordel ici parce que je vais éditer juste après. Je reprends un petit peu plus tard. Super joli, j'avais vu ça à Jiffy. 29 euros, c'est pas trop cher encore. Je me tâte à le prendre. Ah oui, c'est ça les petits mugs. Ils sont pas mal. Ouais, c'est joli. La fameuse lampe, elle est belle, hein? Parce que celle-ci, je l'aimais pas du tout. Celle-ci, c'est celle de Maison du Monde. Vraiment top. Finalement, je vais prendre la lampe. Elle est trop belle, le diffuseur. Alors ça, j'adore, tout en métal. Super sympa. Mais dommage, j'ai pas de place.
Morning! Je suis avec mon petit filtre à café, je vais me faire un grand café. Je viens de me réveiller à 5 minutes et je suis franchement en forme. J'avais peur d'être vraiment pas en phase avec moi-même. Et en fait, non. Bien réveillé, juste besoin d'un très grand café. J'ai la lampe qui est juste là, ça y est, enfin! Je l'ai reçue, je suis allé la chercher hier, je suis pas réveillé finalement. Et je suis content, j'ai rechangé un petit peu la décoration, il faut que je monte tout ça. Je suis en train d'écouter un peu de musique, peut-être pas la chose la plus joyeuse, Body and Soul de Tony Bennett et d'Amy Winehouse, que j'adore. Je vous fais juste écouter 2 secondes parce que avec YouTube et les droits d'auteur, c'était cette chanson, la dernière chanson qu'elle a enregistrée finalement avec ce crooner américain qui est un artiste fabuleux, et j'adore. Voilà, juste 3 secondes pour ne pas se faire striker par YouTube. J'ai même pas ouvert les volets, c'est pour vous dire. Peignoir, t-shirt. Et j'ai trouvé aussi un petit truc super sympa chez Action hier. Je vous montrerai ça, un diffuseur qui est vraiment joli. Voilà, je vais me dépêcher quand même, s'il faut que je sorte Marley. Et j'ai toujours pas fait mon café. À plus tard. Petite balade du samedi matin, il fait super froid, un froid hyper sec. Je me suis levé aux alentours de 9h30, j'ai bien dormi, j'avais tellement envie de dormir. Donc petite balade matinale, j'aime bien ces petits moments. Toujours au même endroit, ça fait un petit moment que je vous ai pas emmené ailleurs. Mais bon, Marley va faire ce qu'il faut, on va dire ça comme ça, à proprement parler, et je vais continuer mon ménage. J'ai pas mal de petits trucs à faire à la maison pour nettoyer surtout, parce que là c'est clairement un peu le bazar et j'aimerais bien vous montrer en fait l'avancement de la déco et tous les changements. Donc je vais essayer de me dépêcher, je vais pas vous faire la clean with me, hein, mais je vais essayer de tout nettoyer, de ranger bien comme il faut pour vous montrer la nouvelle décoration. J'ai hâte. Je vous montre un petit peu ma nouvelle décoration. Il y a eu tellement de choses ces derniers temps.
Donc la lampe que je vous parlais hier quand je filmais juste avant d'aller chez Action, c'est celle-ci. Vous savez, ces lampes, je ne sais plus quel design, on en voit beaucoup à Maison du Monde ou dans un style industriel. C'est des lampes souvent qui coûtent assez cher. Elle était à 30 euros chez Action. Donc j'ai mis une petite ampoule en fait connectée couleur chaude mais blanc également. Donc les pieds un peu rétro. Et elle est juste superbe. Donc là, avant il y avait le fauteuil papasan. J'ai simplement mis le bureau qui était dans la chambre de Marley. Vous voyez pas beaucoup avec le contre-jour, mais je vais essayer de faire au mieux la mise au point. Donc j'ai mis le petit bureau juste ici avec mon iMac. Donc l'étagère est toujours là dans le salon. Et je sais pas, là ça me fait vraiment en fait mon coin pour éditer les vidéos, pour travailler. Je trouve ça tellement sympa. Ça me manquait d'avoir dans le salon vraiment un coin à moi pour travailler. J'en avais vraiment envie. J'ai mis des petites fausses plantes comme ça, des choses un peu sèches, etc. Avec du coton. Je trouvais ça très joli. C'est en chinant dans plusieurs petites boutiques. J'aime bien chiner 2-3 articles et c'était vraiment top. Il fait super beau. Je suis en train de terminer le nettoyage. C'est vraiment la petite ambiance que j'aime, ce style industriel très vintage, très cosy. J'en suis super content. Donc voilà, je suis en train d'aérer tout l'appartement. Ouais, c'est vraiment top. Donc, je vais vous poser juste ici. J'ai pris un diffuseur aussi. Je sais pas si vous allez bien voir. Attendez. On va hop, faire comme ça. Ça, vous voyez, vous avez juste un diffuseur avec les pierres de sel Action 29 euros. C'est un peu une réplique de celui de chez Jiffy Mességué, je trouve tellement joli. Et ça, j'aime bien mettre ça le soir, me mettre à côté, juste sentir les huiles essentielles. Ça fait vraiment une petite ambiance très cosy, très cocooning. Ça, c'est une petite idée cadeau que vous pouvez faire à quelqu'un en fait. Je trouve ça génial. Ça sent super bon, donc je rajoute généralement des huiles essentielles de tea tree ou eucalyptus, menthe, lavande, des choses que j'aime bien. Et je me mets à bouquiner ou je me mets sur mon téléphone juste à côté, j'aime bien. Donc voilà. De déco que je vous avais partagé, je crois, dans le vlog de Noël. Je les trouve très sympas, je les ai gardés. Même si on est au mois de janvier, je trouve que ça fait quand même assez festif, chic. Hey, coucou! Et j'ai enfin le petit pull que j'avais trouvé à Carrefour. Je m'en fous complètement que ce soit pas des marques. Et je le trouvais super sympa celui-ci. En jaune ici, gris et là noir. Je le trouvais vraiment top et je suis trop trop content. Hey, coucou mon chéri! Donc, parfait. Donc ça n'a pas changé. Là, c'est le petit coin de Marley où il fait son petit dodo. Vous voyez, des fois, il y a des choses qui traînent, mais clairement, je m'en fiche. Ici, pas de changement non plus. Mais j'avais envie de vous faire un petit tour quand même. J'ai modifié un petit peu. J'ai mis une petite lampe qui se trouvait derrière moi ici, avec un petit totem. Là, un petit meuble vintage de seconde main. Quelques coussins. J'aère. Parce que j'aime bien aérer à la maison, même s'il fait froid, puis comme je viens de laver par terre. Donc la terrasse, pas de changement. Mais voilà, là c'est vraiment mon coin où je travaille. Et j'ai adoré hier soir mettre là sur mon Mac et éditer ici avec cette petite lumière d'ambiance super cosy. Et j'ai trouvé ça aussi dans une benne, franchement. On fait des super trouvailles des fois. Je trouve ça génial, ce visage comme ça. J'ai juste épuré un petit peu. Donc voilà, mon iMac finalement est toujours là, même s'il est en train clairement de décéder. Donc je l'utilise uniquement pour aller sur Internet. C'est la seule chose qu'il est capable de faire en fait. Dernièrement, je vous ai pas filmé tout ça parce que j'ai pas vlogué depuis un moment, mais j'ai racheté un MacBook Pro. Voilà, c'était pas prévu de base tout de suite, mais finalement impossible d'éditer, donc j'ai pris un Mac en portable.
parce qu'à cause de la pénurie de composants, c'était une galère pas possible de pouvoir trouver un nouvel iMac. Donc je suis parti là-dessus, sachant que j'aime bien éditer dans le canapé, etc. Donc voilà, je suis content de pouvoir éditer plus facilement, que ça aille très vite. Et voilà, j'ai mis 2-3 décos ici. Là, les tableaux viennent de chez Stokomani, je les trouve vraiment top. Très sympa, très simple. Hein. Mais voilà, les trois quarts viennent de chez Stokomani ou d'Action. Et ça, par contre, gros flop de chez Action. Les diffuseurs de parfums, là, qui ne sentent absolument rien. Un petit parfum Airwick. Et Marley fait son petit dodo. Il fait son petit dodo. Donc, le programme de la journée, ça va être cocooning. On est samedi, mais comme j'ai fait quelques achats hier en partant du coup à Carrefour et puis à Action, je me suis pris quelques fringues, il faudrait que je vous les montre. Mais là, c'est le sèche-linge que vous entendez, donc ils sont en train de sécher. Et j'ai trouvé pas mal de petites choses à 6-8 euros, dont j'en ai eu pour une cinquantaine d'euros. J'ai au moins 5-6 pulls. Et franchement, je suis très content. Donc voilà, une petite paire de chaussures à 19 euros. Vous voyez, franchement, je ne me ruine pas, j'arrive toujours à trouver des petits trucs sympas. Donc voilà, il faudra que je vous montre un petit peu mes petites routines bien-être, skincare, ce que je fais en ce moment, comment je me coiffe. Enfin, je sais pas, j'ai pas mal de petites choses que j'ai envie de vous partager. J'utilise toujours mon Dyson, que j'aime énormément. Et le bilan, un mois après, c'est qu'il est juste extra. J'ai jamais eu des cheveux aussi brillants. Donc. Oui, c'est extrêmement cher, je ne dis pas le contraire, mais franchement, il tient ses promesses. Donc, voilà. Et ça se passe très très bien. Ça va être un vlog finalement sur 2 jours, hein. On va dire ça comme ça, avec quelques épisodes par-ci par-là de choses que j'ai pu faire dans la semaine, mais pas grand-chose finalement. J'avais plutôt envie de discuter avec vous, de vous faire des petites updates parce que clairement ça fait longtemps, donc j'ai essayé de vous faire un vlog un peu sympa. Je suis en pleine édite justement de la vidéo que vous êtes en train de regarder à mon bureau et franchement là je suis hyper bien. Donc j'aime bien ces nouvelles séquences que je fais, ces nouveaux décors, ces nouveaux arrière-plans. Je me sens beaucoup plus inspiré qu'avant et j'avais envie de discuter un petit peu avec vous parce que déjà, clairement, ça fait tellement longtemps et je me suis dit après 20 jours sans avoir publié une seule vidéo sur la chaîne, c'est catastrophique. J'avais peur que vous ayez le sentiment d'abandon, que je ne publierai plus, etc. Et clairement non, je ne vous abandonne pas, j'ai clairement envie de filmer et ça a été un processus assez long. J'ai presque envie de dire de mélange de syndrome de l'imposteur et de page blanche créative, avec un mélange de j'avais pas vraiment le temps, mes émotions étaient en pagaille, vous savez, comme je me nourris énormément de mes émotions
Et j'ai eu une période pendant 3 semaines, avant Noël, où j'étais vraiment pas en forme psychologiquement, en fait. Et je voyais beaucoup de choses de façon très négative. J'étais pas bien, en fait. C'est le sèche-linge que vous entendez, excusez-moi. Et j'étais vraiment, vraiment pas en forme. Je me sentais dans un état d'esprit très négatif, contrairement à l'opposé de ce que je suis d'habitude. Et ça n'allait pas, en fait. Et au travail, je me sentais aussi pas à ma place. Bizarrement, j'avais l'impression que rien n'allait, en fait. Que je ne savais pas ce que je valais humainement. Je voyais tout de façon très, très négative. Et c'est pour ça que je ne filmais pas, parce que je n'y arrivais pas. Et puis, passé quelques jours après Noël, j'ai essayé de me remettre dans un nouveau mood, un nouvel état d'esprit hyper, hyper positif, en me concentrant sur les petites choses de la vie. L'essentiel, finalement, les bonheurs simples, ça peut paraître totalement abstrait, en fait. Mais quand je vous dis que voilà, mon plaisir, c'est avec ma machine à café de sentir les grains, de voir le café couler, d'entendre certains bruits, des petites choses du quotidien, on fait même plus attention, en fait. On vit tellement à 100 à l'heure, on est tellement, tellement, tellement connecté. Avoir un petit peu tout ce qui se passe sur les réseaux, sur Instagram, des vies parfaites, où on montre un petit peu ce qu'on a envie. Et du coup, petit à petit, j'étais dans ce sentiment où je me disais, zut, il faut tout le temps que je sois au top, il faut tout le temps, en fait, que je partage mon meilleur profil, où je sois au mieux, etc. Et je me suis dit, non, en fait, c'est clairement pas ce que je veux véhiculer sur ma chaîne. Et avec beaucoup de recul, parce que je me suis fait un tas de bilans, vous avez pas aidé. L'air de dire, ça fait presque 2 ans que je suis sur YouTube, ça ne fonctionne pas, j'y arrive pas, les gens ne s'abonnent pas, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors que j'ai jamais été porté sur ça, mais inconsciemment, on se dit quand même, zut, on crée du contenu, ça prend du temps, et j'y arrive pas, en fait. Et là, j'ai eu comme un déclic en me disant, mais en fait, ça t'apporte quoi concrètement de créer des vidéos ? Et j'y ai pensé, j'ai pris beaucoup de notes et je me suis dit, mais c'est juste un bonheur en fait de filmer. En plus, j'ai investi dans tout ça et je me suis dit, mais je peux pas lâcher. Je peux pas lâcher parce que même si on est des milliers de youtubeurs entre guillemets à créer du contenu, que c'est certainement surchargé par un tas de youtubeurs très clairement, je me suis dit, non, tu peux pas stopper. Après tout, à quoi ça sert d'avoir des milliers de subscribers ? Une communauté absolument incroyable, immense, etc. L'argent, c'est même pas ça. C'est le plaisir, en fait, de partager juste mon quotidien, qui est très simple, soit dit en passant, très lambda. Je suis quelqu'un de classique, je ne suis pas grand monde. Enfin, je ne suis personne, finalement. Je suis juste quelqu'un comme vous et moi, quoi, finalement. Et je me suis dit, c'est ça que j'aime, en fait. Quand je regardais, en fait, mes anciennes vidéos, je me disais toujours, c'est des épisodes de vie que je partage, c'est des choses que j'ai vécues, que je vis toujours, c'est des petits moments tout simples, et je vois ça vraiment comme... je partage en fait un petit journal de vie, et puis voilà, ça me replonge dans mes souvenirs, ça m'aide énormément, et c'est le plaisir juste de... Voilà, je fais une petite vidéo, elle est pas parfaite, le montage est peut-être pas parfait, etc., mais ni l'esthétique, mais en fait, moi ça me plaît, et je me dis... ouais, j'ai l'impression de laisser des souvenirs, finalement, on sait jamais ce qui peut se passer dans la vie, ou à mes proches, ou je me dis... On regarde mes vidéos, voilà, on s'attache, tant mieux, on s'attache pas, tant pis, en fait. Il y en a plein d'autres qui ont d'autres chaînes, etc. Il y a de la place pour tout le monde, finalement. Et j'ai eu ce déclic de me dire que, finalement, je recevais des commentaires plusieurs semaines après, des gens qui me motivaient, ça me faisait du bien, ou même en DM sur Instagram, Mathilde, Sabrina, etc. Et je me suis dit, non, tu peux pas arrêter. Et puis, j'avais pas envie d'arrêter, c'est juste que, voilà, psychologiquement, ça n'allait pas. Et je me suis senti beaucoup mieux, en fait, apaisé avec moi-même. C'est comme si, avec le temps, avec l'âge, on mûrit énormément, on grandit, on voit les choses différemment. Alors, je ne change pas fondamentalement. J'aime toujours me faire plaisir, dépenser un petit peu trop, etc. Mais j'essaye d'avoir une attitude un peu différente et de voir la vie comme elle vient et de profiter de tous ces petits bonheurs, de ces choses toutes bêtes. Là, je vois mon intérieur, c'est des petits bonheurs pour moi de switcher un peu la déco, de dénicher des petites choses, de vous partager ce que je peux trouver, de voir là la luminosité dans l'appartement, tout ce qui se passe, les rayons du soleil, Marley qui est en train de dormir avec une jolie lumière sur lui, ça m'inspire, c'est des petites choses que j'aime beaucoup. J'ai pris beaucoup de temps pour moi pour me coucouner. Au travail, j'ai vu les choses différemment, je me suis beaucoup plus investi, j'ai arrêté en fait de me prendre la tête et d'être trop exigeant envers moi-même et d'être... dans cet état d'esprit trop négatif et de pas voir les choses du bon côté finalement, et je me sens tellement plus libéré. Vous voyez, pourtant j'ai enchaîné des grosses semaines et je me sens bien, en fait, bien dans mes baskets, je me sens bien dans mon corps aussi,
et c'est super important. Donc voilà, ça va être un vlog certainement très très long, mais je voulais vous faire ces updates, et même par rapport à l'algo. J'ai les épisodes où ça va pas, ça n'allait clairement pas hein, ces dernières semaines. Là, je vis mieux avec mes douleurs, mais c'est vrai que j'ai eu des phases là où ça allait vraiment pas et je voulais pas en fait en parler, je voulais rien montrer. Et je pense que c'était tout ça, un imbroglio de plein de petites choses qui ont fait que, voilà, il fallait dire stop en fait. Donc, je vais super bien, je me sens bien et ça fait beaucoup de bien, je sais. Donc voilà, j'espère sincèrement que vous avez apprécié cette vidéo. Je pense qu'on va s'arrêter là, on va se quitter comme ça parce qu'elle va durer beaucoup trop longtemps. Merci de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je sais que je ne le dis jamais, mais voilà, c'est vrai que ça m'aide. Et quand je regardais dans YouTube Creator que vous étiez plus des trois quarts à regarder régulièrement mais à pas vous abonner, bon, voilà, ça me fait plaisir, ça ne coûte rien. Et merci beaucoup. Et voilà, prenez bien soin de vous. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos dans une nouvelle aventure. Et prenez bien soin de vous. Bye!